السلام عليكم التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحصة ديال اون سينتيز حول ليكور الأجسام أو بنية الأجسام. ونبدأ يعني هذا النشاط هذا أولا بعض الأمثلة حول ليكور فيني، لأن هذا ليكور فيني عندهم تطبيقات أساسية. تذكرون بأن في الحصة الماضية كنت تحدثت على كور بينار غادي نعاود نتكلم عليه دابا، لانه واحد لو كور كي بازيك و لي انتريسون. دونك نعلم بان الزاد سور دو زاد سي تان كور، دونك زاد سور دو زاد لي هو كلاس دو زيرو كلاس دو ان، هذا سي تان كور اي تان كور كوميتاتيف، دونك لان لو نومبر دو اي برومي. ياك دونك قياسا على هذا لو كور هذا، بور سامبليفي نو با اونتري دون لي ديتاي دو كلاس وكذا، on va considérer le corps suivant F2 les voies égales à 0, 1 ou qui va, si vous voulez, qui va induire sa structure Z sur 2Z lui-même. On va dire par exemple, on va définir une somme, donc 0, 1, non, 0, 1. Donc on va dire que 0 plus 0 c'est 0, 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 0, donc c'est 1, 1 plus 1 c'est 0. Donc on va dire la somme plus. De la même manière, on va définir, donc, multiplier de la même chose, donc 0, 1, alors là, 0, 1, alors là, donc, c'est multiplier, je définis de la même manière, donc 0 fois 0, 0, 0, 0, 0. Alors, vous vérifiez que ces deux lois-là confèrent à cet espace, à cet ensemble-là, la structure de corps commutatif. Donc, HEDA. Donc, menu de la loi plus et de la loi multipliée tels qu'ils sont définis là devient un corps commutatif. Commutatif. Et on l'avait appelé, bien non, c'est le corps binaire. En effet, ça nous rappelle que la table de vérité de A, c'est la table de vérité de A. Ou bien c'est la table de vérité, si vous voulez, de le ou exclusif. Ou exclusif, qu'on appelle, si vous voulez, la littérature anglaise, c'est XOR. XOR, ou heavy end. C'est operator XOR and operator end. Et donc, mohim, mais le traitement de l'information, comme je l'avais dit. Bon, maintenant, on va dire, un nouveau corps qui est fini. Et qui contient celui-là. Donc, appelons K4, donc c'est un corps qui aura 4 éléments et qui va contenir strictement le F2, d'accord? Et on va compléter les éléments de F2, de le corps binaire, parce que le K4. On va maintenant traiter quelques activités sur ça. Donc, on va dire par exemple, donc, soit alpha, un élément qui appartient à K4 et alpha n'appartient pas à F2. Alors, si vous avez compris ces choses-là, alors on va passer à vous poser une activité introductive de ce corps qui est fini, qui est intéressant. Voilà. Essayons donc de continuer la construction de ce corps qui a 4 éléments. Qu'on peut noter K4 ou mieux encore F4 pour conserver la notation que je vous ai dit au début des corps finis. Donc, donc vérifier que l'élément alpha qui n'appartient pas à F2, rappelez la chose précédente, doit vérifier alpha plus alpha égale à 0. Vérifier que alpha plus 1 ne peut pas être égal à 0, ne peut pas être égal à 1, ne peut pas être égal à alpha. Ce sont des calculs rapides. Alors maintenant, question, peut-on avoir alpha carré égal à 0? Peut-on avoir alpha carré égal à 1? Quelle sera la valeur éventuelle de alpha carré? Ensuite, on vous demande de faire deux tables, de la somme ou de la multiplication, essayez s'il vous plaît de le faire, et vérifiez que cet ensemble-là, ayant 4 éléments, peut avoir la structure d'un corps commutatif. Alors prenez votre temps, on reviendra dans quelques instants. Alors là, c'est l'occasion de nous familiariser plus avec ce mode de raisonnement algébrique. Donc là, n'oublions pas que je suis dans un corps. Le alpha, il est dans un corps
nous avons appelé F4 ou OKK. C'est la même chose. Je voudrais démontrer que alpha plus alpha égale à 0. N'oublions pas que l'unité de F4, c'est la même unité de sous-corps, les voies F2. Donc, dans F2, on a 1 plus 1 égale à 0. Oui. Donc, cette opération peut être vue dans F4. Donc, je multiplie par le alpha, d'où alpha, facteur de 1 plus 1, est aussi égal à 0. Et là, les propriétés d'un corps, je suppose, comme je l'ai dit, que F4, c'est un corps, donc ça va entraîner la distributivité, il est applicable, alpha plus alpha égale à 0. Soit 2 alpha égale à 0, soit alpha égale à moins alpha, ce que vous voulez. Alors là, c'est la question I. La question 2I maintenant. Vérifier que alpha plus 1 ne peut pas être, c'est juste une vérification. À titre d'exemple, alpha, si alpha plus 1 égale à 0, si alpha plus 1 égale à 0, alors je peux ajouter un terme à terme, ça va avoir alpha plus 1 plus 1 égale 0 plus 1. D'accord? En principe, j'ai ça. Mais la structure de groupe qui est là-dedans, ça me confère d'écrire alpha plus 0 égale 1. Mais comme 0 c'est l'élément neutre, donc alpha égale 1. Or, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, or, le alpha, si vous vous rappelez, n'appartient pas à F2. Donc, c'est qu'il est différent de 1. D'accord, bien. Vous faites donc de même. Alors, on fait de même. On fait le même raisonnement. Si l'on suppose que alpha égale 1, chose qui n'est pas possible. Alors, et quoi d'autre? Pardon, là, si alpha plus 1 égale à 1, je fais la même chose, ça va entraîner directement alpha égale à 0. Non possible. Donc voilà, qu'est-ce qu'il vous nous reste? Il nous reste le troisième cas. Si alpha plus 1 égale à alpha, aussi c'est non possible parce que ça va entraîner 1 égale à 0. Non possible. Voilà, donc on a répondu à la question 2i. Alors maintenant, peut-on avoir alpha au carré? C'est toujours la structure du groupe. Donc, la question 3i, si alpha carré égale à 0, l'intègre, le fait que le corps il est intègre, donc la règle du produit de 0 nul, le produit de deux termes nuls, donc l'un est nul, ça va entraîner alpha égale à 0. Non possible. Même chose pour ce cas-là, s'il vous plaît, la même chose, donc alpha carré ne peut pas être égal à 1. Alors, quelle serait à votre avis la valeur la plus qui va rester, qui va nous rester? Il va vous rester une seule valeur. Donc la valeur éventuelle, c'est alpha carré égale à alpha plus 1. Alors là, c'est la valeur qui est jusqu'à présent possible. Je vous laisse, chers élèves, terminer par la construction des deux tables de plus et multiplier pour conclure que cet ensemble-là, il a effectivement la structure d'un corps commutatif. C'est très important. Alors, comme nous avons dit dans plusieurs occasions, que essayer au maximum d'exploiter une situation donnée. Alors là, regardez. Je vais prendre les éléments non nuls de ce corps-là. Donc ce sont 1, puis alpha plus 1. Étudions ce produit-là. Ça va me faire donc alpha. Alors, 1 alpha, c'est alpha. Et puis, la distributivité, ça va me donner alpha carré plus alpha. D'accord? Mais ça, si vous voulez le alpha carré, nous avons dit que c'est alpha plus 1. Donc, plus alpha. Ça va me faire, donc, alpha plus alpha, d'après ce qui précède, c'est 0, la commutativité. Donc, ça va me faire alpha plus 1. Et là, c'est 0 plus 1. Et finalement, là, c'est 1. Mais 1 aussi, c'est moins 1. Parce que là, 1 plus 1 égale à 0. Donc là, je peux déjà faire une conjecture. Vous pouvez la vérifier aussi dans un autre corps, autre que ça. Par exemple, prenez le cas de... Si je prends le cas de F2. Donc, le F2... Alors là, le F2, dans le Z sur 2Z, pardon, même dans Z sur 2Z, même disons dans Z sur PZ, comme ça pour avoir quelque chose de plus fort,
dans les éléments sont classe de 1 et puis classe de P moins 1. P moins 1, ça va me faire là, c'est classe de factoriel P moins 1. Mais là, si vous rappelez bien, nous avons vu d'après Wilson théorème que nous avons étudié comme activité que ça, c'était congru à moins 1 modulo P. Donc, ce que je peux dire là, c'est que le produit des éléments de Z sur PZ en excluant le classe de 0, ça va donc être égal, d'où donc, c'est-à-dire là que classe de 1 fois, etc., P moins 1, classe, elle est égale classe de moins 1. Voilà. Donc, d'après ces deux exemples-là, là c'est un exemple générique avec P, c'est un nombre qui est premier, ça m'amène à faire une conjecture. Donc, si K est un corps fini, si K est un corps fini, donc, alors je peux dire que le produit de ces éléments, produit de ces éléments-là, avec X, il est dans le corps, mais sauf le 0, l'unité de la première loi, égale à combien? Vous devez conjecturer que ça égale à moins 1. Donc c'est comme ça qu'on fasse des mathématiques. On attrape des remarques, on essaie de les étudier en profondeur, et comme ça on obtient des résultats. Bien. Alors, la richesse de ces corps finis, bien sûr, ça peut aussi être plus large. En voici un troisième exemple, c'est le cas des matrices AA, B moins B, avec AB dans Z sur PZ. Vous voyez là, comme ce corps-là, il est fini, donc j'aurai un nombre fini d'éléments ici. À condition, exercice, montrer que K, menu de plus et multiplié matriciel ordinaire, est un corps commutatif. Voilà. Alors voilà. Donc voici donc un autre exemple de corps. Alors bien, donc j'espère que vous avez essayé de faire cet exercice qui va nous poser des questions intéressantes. Ça va nous générer des questions même intéressantes dans l'axe de l'arithmétique. Essayons de voir ce côté-là. Alors rien ne change de la pertinence de l'exercice si je prends P de la forme 4K plus 3. On va se restreindre à ce type de nombres premiers, d'ailleurs qui sont dans l'ensemble, il est infini si vous vous rappelez. Bien, alors maintenant je suppose donc que vous pouvez faire facilement le fait que K plus multiplié, de vérifier que c'est un anneau commutatif unitaire. D'accord. Alors, focalisons maintenant tout notre intérêt sur le fait de considérer une matrice AB non nulle, donc AB qui est de la forme donc AB moins BA, il sera non nul si et seulement si A différent de 0 ou B différent de 0. En fait, là, si vous voulez, c'est classe de 0 modulo P. Bien. Alors, maintenant, sous ces conditions-là, on voudrait montrer que cette matrice-là est inversible. Mais son déterminant, si vous voulez, donc le déterminant de M de AB qui est ici égal donc A au carré plus B au carré, je cherche à montrer que ça soit non nul. C'est-à-dire, soit non nul, différent de non nul. Donc je cherche à me poser la question, donc, qu'il est non nul. Ça, c'est le déterminant. Alors, si on suppose que qu'il est nul, c'est-à-dire là que A carré plus B carré est congru à 0 modulo P, alors on aimerait bien, pour trouver que ça c'est pas la chose qu'on cherche, il faut trouver que alors ça doit entraîner alors que soit P divise A et P divise B, les deux. Alors c'est ce qu'on cherche à démontrer, c'est-à-dire A égale à 0 et B égale à 0.
qui dans notre cas c'est pas يعني, ce qui n'a pas le cas et par suite on aura donc l'inversibilité de notre matrice. Donc alors maintenant focalisons-nous sur ça. Donc preuve, ça va nous rappeler un petit peu les techniques de l'arithmétique. Supposons que P ne divise pas A. Donc, et montrons que, voilà, donc on va supposer que P ne divise pas A, le contraire c'est ça. Ou P ne divise pas B. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Alors on va supposer par exemple celle-là, pour faire démarrer le raisonnement. Donc si P ne divise pas A, donc application de Bézout, donc je peux dire qu'il existe un cas tel que, K dans Z bien sûr, tel que AK est congru à 1 modulo P, parce qu'on va se retrouver avec P premier avec A. Bien, donc dans ce cas-là, je dois utiliser ça. Donc je dois utiliser ça. J'ai dit quoi? On va avoir donc A carré, K carré. Alors là, pour faire apparaître nos hypothèses, je vais l'ajouter à ça. K carré, B carré. Mais ça, c'est K carré fois A carré plus B carré. Ça, c'est 0. Qui est congru à 0 modulo P. Voilà. Suivez bien. Donc, je continue ici. Qu'est-ce que donc j'aurai? J'aurais obtenu la chose suivante. J'aurais donc obtenu KB, je mets le tout au carré, sera congru là, j'ai dit que ça c'est 1. Il est congru à 1. Donc dans l'autre côté, ça va me faire moins 1 modulo P. Alors on s'approche maintenant du raisonnement. N'oublions pas la forme de notre nombre premier P. Il est de la forme 4K plus 1. Et on met en tête le petit théorème de Fermat. Donc je vais élever, alors ça, je vais passer à la puissance 2k plus 1. Donc j'aurai donc étoile, d'après la compatibilité des puissances, nous aurons donc bk à la puissance 4k, ça va donc, j'ai dit, j'élève à la puissance 2k, ça va me faire 4k, et là, plus 2, qui sera congru à combien? J'ai élevé à la puissance 2k plus 1. Donc ça va être moins 1 de K plus 1, qui est bien sûr moins 1 modulo P. Alors là, on va s'arrêter un moment pour dire la chose suivante. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Voilà ici un élément C. J'ai obtenu la chose suivante, c'est C. Et là, c'est P moins 1, c'est P moins 1 qui est congru à moins 1 modulo P. Est-ce que vous êtes d'accord que ça mène à une contradiction? Bien sûr, il vous reste juste de vérifier que C et P sont premiers entre eux, et voilà notre conclusion. Donc, contradiction, ou là, ce qui contredit le petit théorème de Fermat. Par suite, notre hypothèse est fausse, d'où, finalement, quoi? Notre hypothèse, elle est fausse. Par suite, si je voudrais que ça soit nul, donc forcément, P doit diviser A, et P doit diviser B. Et en conclusion finale, c'est que notre matrice, elle est inversible. D'où, notre matrice est inversible en combinant avec le fait que c'est un anneau commutatif que vous devez vérifier en principe facilement. D'où j'obtiens le fait que notre ensemble, d'où la structure de corps commutatif. D'où la structure de corps commutatif et qui en donne encore un exemple intéressant de corps commutatif fini. Alors, terminons cette séance par un problème que je vais vous proposer. Il est constitué de deux parties. D'abord, la première partie. Alors, il s'agit donc de reconnaître cet ensemble-là, Z de racine de 3. Vérifiez que c'est un anneau commutatif. Je suppose, chers élèves, que vous allez le faire, ça. Donc, c'est des calculs que vous devez avoir l'habitude de faire et facilement et avec une bonne rédaction. Ensuite, on va vous poser la question, est-ce que cet anneau-là est-il un corps? C'est-à-dire, regardez, si par hasard, donc là, vous remarquez qu'un élément qui appartient et qui n'a pas d'inverse. Donc,
vous allez conclure que ce n'est pas un corps, pour le dire. Alors, on définit dans z racine de 3 ce qu'on appelle norme. Alors, si j'ai l'élément a plus b racine de 3, alors je vais poser tout simplement n de gamma, c'est valeur absolue de cette expression-là. C'est a carré moins 3 b carré. Là, on va essayer donc de traiter ces questions-là. Vérifiez que n de gamma est nul si et seulement si gamma est nul. Donc, commençons donc par deuxièmement petit a. Donc, n de gamma nul. N de gamma nul, c'est-à-dire valeur absolue nulle, donc c'est-à-dire a carré moins 3b carré, donc égal à 0. Ce qui entraîne donc que a carré égale 3b carré. Supposons par exemple, supposons que b non nul. Donc, si b non nul, d'accord, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez donc a sur b égale racine de 3. Et dans tous les cas, ça, c'est pas possible, puisque a et b sont deux entiers relatifs. Donc, c'est-à-dire, même disons valeur absolue, donc ça, si vous voulez, ça va entraîner valeur absolue de a sur valeur absolue de b égale racine de 3. Et ça, c'est pas possible. Donc, forcément, donc impossible. Donc là, ce sont les raisonnements classiques. Donc, b égale à 0. Et si b égale à 0, vous revenez, donc si vous entraînez a carré égale à 0, donc a égale à 0. D'où finalement, si n de gamma égale à 0, vous voyez que, gamma, que a et b sont nuls, c'est-à-dire gamma égale à 0, il reste trivialement, si gamma égale à 0, c'est-à-dire a égale à b, donc réciproquement aussi, si a égale b égale à 0, alors n de gamma, vous remplacez, et bien sûr, il est égal à 0. Donc, voilà établi la première question. Ensuite, on vous demande de montrer que ça, que ce nombre-là est inversible. Donc là, on va essayer de le faire ici, pardon. Alors, je vais le faire ici. Alors, ce nombre-là, si je considère alors ce nombre-là, ça devient combien? Donc j'ai dit, prenons par exemple 7 plus 4 racine de 3. Vous voyez que ce nombre-là, si je le multiplie par son conjugué, c'est-à-dire, alors je l'écris en une autre couleur pour voir son inverse, 7 moins 4 racine de 3, ça va vous faire 49 moins 16 fois 3, moins 48 qui est égal à 1. Donc cet élément-là, il est inversible. Celui-là aussi, il est inversible. Et voilà, on a répondu. Alors, une deuxième question à avancer. Donc là, c'est B, c'est la question D. Petit C, ça serait un bon calcul algébrique de vérifier, s'il vous plaît, que N de gamma delta, il est égal à N de gamma fois N de delta. C'est-à-dire, vous allez prendre gamma égale A plus B racine de 3. Et puis, delta égale C plus D racine de 3. Faites, s'il vous plaît, le calcul pour vérifier cette égalité algébrique. Donc, vous devez faire, ce sont des calculs que chaque élève de terminale de sciences math doit faire aisément. Bien. Alors là, on va vous demander dans la question D, c'est cette question-là, montrer que gamma est inversible si et seulement si. Alors, je vais faire le raisonnement ici. Donc là, ça c'est la question E. Donc, dire que gamma est inversible, donc gamma inversible. Si gamma est inversible, implique qu'il existe un gamma prime, toujours dans le même ensemble, dans z racine de 3, qui me vérifie quoi? Pour lequel j'ai gamma prime égale à 1. D'accord? Donc je vais passer à la norme. Donc n de gamma fois gamma prime égale à 1. Ce qui entraîne que n de gamma fois n de gamma prime égale à 1. Mais cette norme-là, vous avez noté que ce sont deux entiers. C'est un entier naturel. Donc ça entraîne facilement que n de gamma égale à 1. Réciproquement, si n de gamma égale à 1, pourquoi j'aurai gamma inversible. N'hésitons pas de faire le raisonnement.
ça devrait être facile. Donc, alors pour la réciproque, j'ai dit, on va prendre quoi? N de gamma égale à 1. Donc, soit gamma égale A plus B racine de 3. Alors, N de gamma égale à 1 équivalent A carré moins 3B carré égale à 1. Et là, vous voyez que j'ai une identité remarquable. Donc, ça va me faire A plus B racine de 3, facteur de A moins B racine de 3, égale à 1. Et là, donc, là, c'est gamma. Là, c'est un élément qui appartient à Z de racine de 3, qui sera donc l'inverse de gamma. Ce qui achève la preuve. Je vous laisse à terminer votre rédaction de manière convenable. Bien, la dernière question vous a dit, est-ce que Z racine de 3 est-il intègre? Z racine de 3 est-il intègre? Ça, c'est la dernière question de la partie 1. Est-il intègre? Donc, je vais considérer deux éléments. Gamma fois delta égale à 0. Je passe à quoi? Je vais passer à la norme. Ça va nous simplifier. Donc, N de gamma fois delta, qui va être aussi égal à 0. Mais d'après les propriétés de la norme que je vous laisse à démontrer, après ça, je vais avoir quoi? Donc, N de gamma fois N de delta égale à 0. Comme je, maintenant je suis dans N étoile, donc ça entraîne N de gamma égale à 0 ou N de delta égale à 0. Mais là, d'après la question précédente, donc ce qui entraîne que gamma égale à 0 ou delta égale à 0, d'où l'anneau est intègre. Donc Z racine de 3 est un anneau commutatif intègre. Voilà. J'espère donc que vous récapitulez ces résultats-là. Et on va passer maintenant à la partie 2. Alors, maintenant la dernière partie. La deuxième partie. Je reviens à un ensemble de matrices. Regardez là. A, B, 3, B, A. Je vous dis toujours qu'il faut bien voir la structure des ensembles. Si vous vous rappelez, nous avions déjà traité cet ensemble-là. Et c'était un anneau, si vous vous rappelez bien. Même là, au lieu de Z, j'avais Z sur PZ. Alors maintenant, en fait, là, le nombre, ça pourrait être un nombre quelconque, un nombre D d'éléments de Z. Mais là, je vais prendre, pour préciser, parce que je veux rester dans un cas particulier, je prends 3. Alors, je vous demande, j'ai noté ça, une racine de 3, c'est question de notation. Vous allez vérifier que ça, c'est un anneau commutatif. Travail usuel. Stabilité de multiplier, sa distributivité par rapport à plus, l'associativité, etc., etc. La structure de groupe ici. Donc, la structure de groupe, vous pouvez revenir à montrer que c'est un sous-groupe de M2, de R, etc., etc. Donc là, on définit une application. Ça va vous rappeler le morphisme. Donc, à la matrice A, A, B, 3, B, je fais associer cet élément-là. Vous reconnaissez que cet élément, c'est un élément de l'ensemble qui a été étudié dans la première partie, c'était Z racine de 3. Alors, on vous demande maintenant de démontrer qu'il y a cette somme-là, ces morphismes par rapport au groupe, et de plus, ces morphismes, mais par rapport à la loi multipliée. Alors, ça, ce sont des questions que j'aimerais bien que vous allez traiter sans difficulté. Alors pour terminer, essayons par exemple de donner quelques indications à propos de cette équation là. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer donc M de AB pour ne pas répéter. M de AB c'est la matrice pour A et B. Donc A3B et là BA. Et puis, M de A'B', ça sera donc, alors là ça va représenter notre matrice grand A, et celle-là, ça va représenter notre matrice grand B, qui sera donc associée A', 3B', et puis la B', et puis la A'. Donc, soigneusement, je vais trouver ça. A fois B
Alors, tout calcul fait, on va le faire ensemble, vous allez trouver la chose suivante. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Donc, AA prime, Aya, AA prime, plus 3BB prime. Plus 3BB prime. Ça va me constituer la première composante. Et je veux la retrouver ici. Donc, AA prime, tout calcul fait, je veux la retrouver. 3BB prime. Étudions cet élément-là. Donc, je vais étudier cette ligne-là fois cette colonne-là. Ça va me faire donc A'B plus AB'. Et pour cet élément-là, je vais utiliser la première ligne et la deuxième colonne. Ça va me faire donc un 3 en facteur A3B' plus 3BA'. Donc, 3 en facteur donc, de ça. Donc, A'B plus AB'. Voilà. Alors maintenant, phi de A fois B. Phi de A fois B par définition, c'est tout simplement, je prends cet élément-là. Voilà. Donc, je le considère ici AA' plus 3BB' plus le deuxième élément qui est là, A'B. A'B plus AB' multiplié par racine de 3. Je vous laisse le soin, chers élèves, de faire une factorisation. Je pense que les choses sont très claires. Donc, une simple factorisation de ce type-là, ça va me faire combien? Donc, poursuivons les calculs ici. Donc, phi de A fois B. Alors il est égal, essayons donc de raffiner, donc je vais avoir ce côté-là et celui-là, fois racine de 3, ça va me faire donc A' facteur de A plus B racine de 3. Vous voyez, donc j'ai utilisé celui-là et celui-là. Il va me rester ça, plus 3BB', alors cet élément-là, plus cet élément-là, AB' fois racine de 3. Exactement. Donc là, cet élément-là, maintenant, vous voyez que je vais factoriser par B' et racine de 3. Ça va me donner donc B' racine de 3. Doucement, petit calcul. Ça va me faire ici A. C'est cet élément-là. Plus, là, ça va me donner racine de 3, B. Racine de 3 fois B. Je garde ici donc A' facteur de A plus B racine de 3, plus ça. Maintenant, je factorise. Ça va me faire A plus racine de 3B, facteur de A' plus B' racine de 3, qui est exactement égal à phi de A fois phi de B. Voilà, nous avons terminé la question. Donc, je vous laisse, chers élèves, le soin de refaire toutes les questions que je n'ai pas traitées, faute de temps, d'essayer de répondre aux questions qui était resté en suspens. Essayez donc de bien voir la structure, les idées, essayez donc de réfléchir à généraliser des choses, comme je le dis toujours, à penser, à réfléchir mathématiquement. C'est le conseil que je vous donne toujours. Bien sûr, vous avez à oublier des choses, comme nous l'avons dit, les corps finis, qui s'appellent dans la littérature des corps de Galois. Évariste Galois, c'est un mathématicien très jeune, il a fait beaucoup de découvertes. Essayez d'oublier ces choses-là, vous n'êtes pas censé connaître ces choses-là, mais focalisez-vous surtout sur les idées, sur les techniques, sur ce qui va rester avec vous, Inch'Allah, au-delà du baccalauréat. Bon courage, à bientôt, Inch'Allah.